Bonjour, je m'appelle Alec Bickerstedt, responsable filière emploi et formation à Fibois Île-de-France. Fibois Île-de-France est l'interprofession régionale de la forêt et du bois. On existe depuis 2004, on accompagne l'ensemble des professionnels de la filière forêt et bois. Depuis les questions de gestion de la ressource, l'adaptation des forêts au changement climatique, les questions de mobilisation du bois et après sa valorisation localement dans l'économie, que ce soit dans le bois énergie ou le bois construction. On est accompagné par les pouvoirs publics, principalement l'État, l'ADEME, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et la filière bois par France Bois Forêt, l'ensemble de nos adhérents. Donc le but, c'est de faire le lien entre la ressource et son usage dans un objectif global de développement durable et d'adaptation au changement climatique. Pour moi, le passif, c'était d'essayer de réduire au maximum la consommation énergétique, mais je pense que je n'avais pas forcément conscience de toutes les techniques qu'il y avait autour et comment tout ça pouvait être rendu possible par la conception des ouvrages. Passif dans 10 ans, j'espère que davantage d'acteurs de la construction pourront s'en emparer et que les questions de passif seront beaucoup plus comprises par la maîtrise d'ouvrage et les aménageurs pour pouvoir le prescrire le plus tôt possible et que ça gagnera en part de marché comme on essaie de le faire nous sur la construction de bois. Mon conseil pour un porteur de projet passif, ce serait de se rapprocher de la maison passive pour bénéficier de tous leurs conseils dès la conception du projet. Fibois Île-de-France est partenaire de Passibat car notre objectif, je pense, qui est le même que la maison passive et de Passibat, qui est de favoriser la transition écologique du secteur de la construction et du BTP en général pour réduire notre consommation énergétique et réduire l'empreinte carbone du bâtiment en général, que ce soit par l'usage des matériaux, utiliser des matériaux renouvelables, des matériaux qui stockent du carbone, mais également de réduire la consommation énergétique pendant la durée de vie du bâtiment.